C'est le bouquet final d'une saison historique pour le FC Nantes, aussi bien pour le staff, pour les joueurs que pour les supporters. C'était incroyable, plein de moments forts, plein de rebondissements. Ils m'ont fait rêver, ils m'ont fait jouir, ils m'ont tout fait. Une très belle saison, on est parti de rien par rapport à l'année dernière et du coup on a réussi à monter très haut. Et c'est beau, c'est très beau. C'est FC qui pétille. Vraiment que du bonheur. Un grand merci à cette équipe, un grand merci aux joueurs qui vont quitter le club. On espère qu'il n'y en aura pas beaucoup. Mais vraiment, on a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir grâce à vous. Merci, un grand merci. Alors qu'ils avaient ouvert le score à la 23e minute de jeu face à Saint-Étienne sur ce pénalty de Ludo Blas, les Canaris ont concédé l'égalisation en fin de partie. Tant pis pour le résultat, comme prévu au coup de sifflet final, Antoine Comboiré et ses joueurs ont pu présenter la coupe et défiler à la Beaujoire. Franchement, c'est que du bonheur, que du bonheur. On fait une saison incroyable et on a un groupe incroyable. On sait très bien que le groupe va changer, donc c'est pour ça que je voulais continuer, faire un 39e match, un 40e. Donc c'est comme ça, mais c'est une saison. Hein, toutes les bonnes choses ont une fin, donc faut profiter. Si l'avenir de Ludovic Blas est incertain, celui de Randal Kolo Muani est déjà scellé. Le joueur formé à Nantes évoluera la saison prochaine sous les couleurs de Francfort. Ovationné à plusieurs reprises par les supporters, l'attaquant a vécu une dernière forte en émotion. C'est un truc de fou quand même, je vois les supporters se lever et tout, ça fait vraiment plaisir, ça me touche énormément. Je réalise pas encore, parce que je vais réaliser quand je serai chez moi, quand je vais finir les cartons. Là je vais réaliser, là ça sera la fin. Avec ce point du match nul, le FC Nantes conforte sa 9e place au classement. Place désormais à des vacances bien méritées. Je vous laisse surtout que vous remerciez les joueurs parce que les joueurs ils